Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage des énergies de cette semaine que je vais effectuer avec l'oracle des reflets. À partir de vendredi, vous retrouvez les tirages habituels que j'avais mis en place dès le début de la chaîne en fait, où vous pouvez choisir, ce sont des tirages conseils, où vous pouvez choisir une carte. Seulement le temps m'a manqué dernièrement, vous savez pourquoi, pour effectuer ces tirages, mais maintenant que les choses se remettent doucettement en place. Je vais recommencer donc ces tirages et vous les retrouverez à partir de tous les vendredis après-midi en fait pour le tirage de la semaine qui suit. Alors on va commencer déjà à voir les énergies de cette semaine. Hop, bon, je vais être à l'envers. Voilà. Donc je vais tirer trois cartes, une pour le début de la semaine, une pour le milieu de la semaine et une pour la fin de la semaine qui correspond à peu près au week-end. Alors je coupe. La première carte que nous avons pour le début de la semaine, ça tombe très bien, c'est la carte du printemps. La carte du printemps qui justement va vous pousser dans un nouvel élan. Ça va être un nouvel élan, une envie de commencer de nouvelles choses, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle réflexion autour de votre vie. Quoi qu'il arrive, ce sont vraiment des énergies qui sont douces et qui vous accompagnent en douceur vers un renouveau. Voilà, donc ça va être le moment vraiment idéal pour repenser les choses. Et si vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, toutes les énergies vont être là justement pour vous accompagner dans ce nouveau projet, dans ces nouvelles réflexions, dans une nouvelle relation aussi, tout à fait, ça peut très bien être une relation, pardon. Voilà. Donc, vous allez également avoir un état d'esprit plus léger, plus serein, plus fou. Fou dans le sens où vous allez oser prendre des risques, oser faire quelque chose de nouveau. Et voilà, donc ces énergies vont vous porter aussi dans ce sens-là, à prendre de la hauteur aussi, à regarder les choses avec une âme d'enfant. Pensez que tout est possible. Ça va vous accompagner dans cette pensée. Donc voilà pour la carte du printemps. C'est une très belle carte. Pour le milieu de la semaine, nous avons la carte du cadeau. Alors la carte du cadeau qui peut-être d'ailleurs résulte de ce que vous allez mettre en place en ce début de semaine. En tout cas, la carte du cadeau vous montre que vous allez être dans un état d'esprit très positif où vous allez justement apprécier tout ce qui va venir à vous, le voir comme un cadeau, comme quelque chose de positif que l'on vous offre. Tous les petits événements de la vie, vous allez sans doute avoir des synchronicités qui vont se placer sur votre chemin, de petites synchronicités qui vont vous pousser aussi dans une voie ou dans une autre. Et vous allez percevoir ça aussi comme un don, comme un cadeau. Donc là, vous êtes toujours dans une énergie très très positive, je dirais même qu'elle est renforcée en ce milieu de semaine justement. Parce que c'est votre vision à vous qui va vous pousser à voir les choses de cette façon-là. Alors vous allez vraiment voir le côté positif de la vie, voir les choses que la vie vous apporte, voir le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide. Et c'est vraiment une énergie qui va continuer à vous pousser. Donc on va voir tout de suite avec la troisième carte justement ce que ça donne. Alors, la troisième carte, nous avons l'orée de la forêt. L'orée de la forêt, c'est une carte qui est différente des deux autres cartes, mais les deux autres cartes précédentes vont peut-être vous aider justement à faire un choix, parce que là, vous allez avoir deux choses qui vont venir à vous en cette fin de semaine. Vous allez pouvoir continuer sur votre lancée, pouvoir continuer votre vie, comment dire ça, continuez à vous appuyer en fait sur ce que vous connaissez, ou alors vous allez prendre votre courage à deux mains et aller fouiller un petit peu, passer l'orée de la forêt, aller fouiller un petit peu dans cette forêt dense et sombre pour voir ce que l'on peut vous apporter.
C'est un parallèle aussi que vous pouvez faire entre la conscience, l'inconscient. Voilà, aller chercher un petit peu les choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous et ce que vous pouvez aussi y trouver. Donc vous avez, voilà, ces deux cas de figure. Soit justement une action qui va être inconsciente, donc qui va se jouer sur votre mental, soit sur votre physique justement, où c'est vraiment une ligne de vie que vous êtes en train de prendre ou en train de continuer à prendre. Alors là, vous allez vraiment avoir ce petit choix à faire, à savoir est-ce que vous allez emprunter le chemin de la forêt, qui n'est pas encore tracé et qui ne demande qu'à être découvert, ou est-ce que vous allez continuer sur votre lancée? Généralement, quand on tire cette carte, surtout avec les deux cartes précédentes, la carte justement du printemps avec ce fameux renouveau et cette fameuse envie justement de découvrir de nouvelles choses, j'aurais tendance à dire et à vous pousser à essayer de vous faire confiance, parce que c'est une carte aussi qui vous parle de ça. Faites-vous confiance, osez, allez découvrir de nouvelles choses et vous allez voir, vous allez découvrir des choses qui peuvent être absolument merveilleuses et dont vous ne soupçonniez absolument pas l'existence. C'est un tout nouveau monde qui va s'ouvrir à vous si vous franchissez le pas, si vous franchissez l'orée de la forêt. Voilà. Voilà donc pour ce petit tirage de la semaine. Pour principalement les énergies, donc les énergies qui vont vous pousser cette semaine, qui vont vous accompagner, des énergies qui vont vous accompagner en douceur, hein, parce que ce sont des énergies assez douces dans les trois cartes, et qui vont, voilà, qui vont vous accompagner en douceur pour cette semaine. Donc je vous retrouve vendredi pour un tirage conseil, où vous pourrez choisir la première, la deuxième ou la troisième carte, comme c'était le cas autrefois. Et en attendant, je vous poste une vidéo aussi sur jeudi sur l'intuition pour développer son intuition et sans doute une autre vidéo mardi. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.